Bonjour les amis, bonjour les petits enfants. Alors aujourd'hui nous allons faire un œuf, mais pas n'importe quel œuf. Celui de Pâques. Voilà, sur une cartonnette, j'ai dessiné un œuf suffisamment grand. Voilà, il couvre bien la feuille. Et je vais découper des bandes dans du papier. Alors moi je me suis amusée à prendre catalogue publicitaire. On pouvait prendre des feuilles. Si vous avez des feuilles de couleur, et j'ai trouvé du ruban. J'ai rajouté un petit peu de ruban. À l'issue de ça, ma colle a séché, tout est impeccable et prêt. Je prends mes ciseaux et je découpe. Voilà. Je prendrai le temps de le faire. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire que pour démarrer, il nous fallait une cartonnette. Des prospectus, du papier de récupération, de la colle, des ciseaux. Mes bandes de papier font 2 cm de large. Voilà. Et c'est découpé. Le voilà. Et pour le finir, encore un ruban que j'ai récupéré. Rien ne se perd. Et je vais faire un joli nœud. En voilà un d'un côté. Et en voilà de l'autre côté. Voilà. C'est rigolo. Je serre. Voilà. Je donne un petit coup de ciseau pour retirer. Vous voyez, j'ai la colle là. Ça sert toujours de récupérer. Voilà. Mon petit nœud est prêt. Un petit peu de colle. Ah mince, ça devrait aller. Voilà, un peu de colle, j'en ai même beaucoup. Et voilà, mon œuf de Pâques est réalisé. J'espère que le modèle vous a plu. Et je vous souhaite de faire quelque chose de joli. Vous voyez, le papier publicitaire, c'est très bien, ça marche très bien. Et cet œuf n'est pas tout seul. Voilà. J'en ai un autre qui vous attendait. Voilà. Si le modèle vous a plu, bah écoutez, je vous laisse le temps de le faire. À bientôt. Au revoir.